Nous avons donc convenu d'organiser cette journée donc avec tous les intervenants de l'Institut Locomoteur de l'Ouest, donc à Saint-Grégoire, et donc avec une session épaule, une session genou, une session cheville, avec des live surgery. Donc on est plutôt content de l'affluence et du nombre de participants à cette journée. Ça nous permet surtout de faire le lien avec tous les kinésithérapeutes qui suivent nos patients finalement en post-opératoire, une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Ça nous fait une journée de rencontre, convivialité, ça nous permet d'échanger surtout et de progresser. Nous avons la chance d'avoir des chirurgiens spécialisés dans chaque articulation, un médecin du sport, des kinésithérapeutes aussi également très spécialisés. On a des kinés de l'épaule, des kinés de la cheville, des kinés du genou. Avec un podologue et également kinésithérapeute. Donc tout commence en fait par une première luxation. Avant d'avoir une instabilité chronique, il y a une première luxation. C'est avant tout une épaule stable activement au niveau musculaire. J'ai fait beaucoup de rééducation, donc beaucoup de kiné, beaucoup de médecins du sport. Pour la coiffe traumatique, on essaie d'avoir ce temps préopératoire. La RTP, la proactivation des muscles musculaires, les stratégies de délestage. Si vous avez déjà assisté à des tests isocinétiques, Après une fois rompu, ce ligament n'aura bien sûr plus aucune efficacité entre 0 et 20 degrés de flexion. Donc le talon fibulaire antérieur, le calcaneo fibulaire. En reprenant les gains d'alvés et pas chassés. Depuis le début de l'année, on a ouvert un centre totalement dédié à la prise en charge des pathologies de l'appareil locomoteur qui s'appelle l'Institut Locomoteur de l'Ouest, où toutes les spécialités articulation par articulation sont représentées. Nous sommes 20 chirurgiens orthopédistes à travailler dans ce centre, un médecin de médecine physique et de réadaptation, et deux médecins du sport, un actuellement et dans quelques semaines, un deuxième médecin du sport rejoint l'équipe. Chacun ayant donc une hyper spécialité, ce qui apporte évidemment une plus grande efficience dans la technologie et dans la technicité de nos actes. C'est vrai, on attend avec impatience l'ouverture du centre Vivalto Sport qui va probablement sortir de terre, on espère, fin 2018 et qui sera probablement en activité pour 2019 avec vraiment là qui va venir compléter l'offre chirurgicale qu'on a à l'Institut Locomoteur de l'Ouest. Il y aura les médecins du sport évidemment, on aura les podologues, les kinés, les coachs sportifs, on aura toute une activité médicale et aussi une activité un peu paramédicale. Qui va faire qu'on aura une offre vraiment, vraiment complète sur tout ce qu'on peut proposer aux sportifs. Alors, ce centre-là, ce centre médico-sportif, sera à côté de l'Institut Locomoteur de l'Ouest. Donc c'est un centre qui fera 1500 m² de surface. Donc il y aura une piscine, une balnéothérapie, il y aura un centre de réathlétisation, il y aura un espace de rééducation. Et à côté de ça, il y aura aussi des espaces de récupération physique avec de la cryothérapie. On aimerait bien l'année prochaine intégrer une session rachis. L'équipe est assez complète à l'Institut Locomoteur, notamment des chirurgiens du rachis en nombre de 4. Et notamment pour aller dans cette dynamique, un chirurgien du rachis qui s'occupe essentiellement de la filière rugby sur la Bretagne. On a également 4 radiologues qui travaillent avec nous, donc on aimerait également les faire participer. Donc à partir d'octobre, prochainement, donc au sein de la clinique de Saint-Grégoire, on va ouvrir une filière courte pour la prise en charge des sportifs. Donc une filière courte qui va permettre une prise en charge rapide des sportifs, de la blessure jusqu'à la consultation en médecine du sport ou en chirurgie si une chirurgie est nécessaire. Et l'objectif, c'est que le sportif soit pris en charge rapidement, qu'il soit rééduqué rapidement et qui retourne sur le terrain rapidement. Donc on espère bien sûr retrouver beaucoup de personnes et de partenaires pour l'édition 2018.
et notamment avec des interlocuteurs qui seront forcément différents. Je pense que c'est un peu notre force, un petit peu notre locomoteur, à savoir que nous sommes 22, 23 chirurgiens actuellement et 6 radiologues ostéo-articulaires dédiés, ce qui nous permet en fait d'intervenir sur des sujets assez variés. On espère couvrir l'ensemble de toutes les pathologies sportives et de l'appareil locomoteur. Côté chirurgical, vraiment très appréciable de voir les lives de chirurgie. Ça, c'est vraiment bien. Voir si le côté à la fois médical, chirurgical et rééducation, c'est un des points forts de ces journées, de ces soirées. Les nouvelles indications chirurgicales et tout ça, de connaître l'évolution. Non, moi j'ai trouvé ça. Je suis très contente de ma journée. Rendez-vous pour l'édition 2018, donc de l'Institut Locomoteur de l'Est, du CHP Saint-Grégoire.